Bonjour, est-ce que le vide est vide Eh bien, vous allez voir que la réponse c'est non et qu'on a même réussi à le prouver. Alors, imaginons qu'on soit dans l'endroit le plus vide possible, qu'il n'y ait plus un seul atome, plus une seule molécule. Et bien, la physique quantique prévoit que malgré tout, pendant des temps très très courts, il pourrait apparaître ou disparaître des champs, des énergies en permanence. Alors il y a un physicien hollandais, Hendrik Casimir, qui a eu une idée d'expérience géniale pour vérifier si c'était vrai ou pas. L'idée c'est de prendre des plaques de métal et de les approcher l'une de l'autre. Imaginons que ces champs soient partout autour de nous, ils vont appuyer sur la plaque. Donc la plaque de métal, regardez, ben, ils appuient là et puis hop, ils appuient là aussi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a deux plaques Regardez, les voilà mes deux plaques. Bah ben, pareil, hein, il y a du champ ici, du champ des deux côtés, tout le monde appuie et les plaques elles subissent autant à droite qu'à gauche. Mais si maintenant on rapproche les plaques, regardez bien. Là, quand on rapproche les plaques, il n'y a que certains champs qui peuvent survivre. Donc il y a moins de champs au milieu que sur les bords. Donc ça appuie moins au milieu. Donc les plaques finalement, ben, vous voyez, elles vont être attirées l'une vers l'autre. Et donc Casimir dit, il suffit de regarder quand vous mettez deux plaques de métal si elles s'attirent ou pas quand elles sont très près l'une de l'autre. Alors l'expérience c'est une galère. Il faut prendre deux plaques, les approcher à moins d'un micromètre l'une de l'autre et là, avoir une force qui vaut 10 puissance moins 10 newtons. C'est-à-dire la force pour soulever un centième de milliardième de kilo. Mais les physiciens, dans les années 2000, ont enfin réussi à faire l'expérience. Et la réponse c'est oui, elles s'attirent. Et elles s'attirent exactement comme la théorie le prévoit. Conclusion, le vide n'est pas vide, il est rempli de fluctuations quantiques. Bonne journée